Bienvenue sur cette petite vidéo qui te présente les différents rôles musicaux dans un groupe ou un orchestre. Le premier rôle, celui qu'on entend la plupart du temps en premier, c'est la mélodie, c'est le thème, c'est l'élément principal qu'on entend. Souvent, il est chanté, c'est le chanteur qui fait la mélodie. Mais parfois, dans un groupe, il n'y a pas de chanteur, et alors la mélodie est jouée par un instrument. C'est toujours un thème, une mélodie qui ressort du morceau, mais qui est jouée par un violon, ou même, par exemple, par un piano. Et derrière la mélodie, il y a l'accompagnement. Alors l'accompagnement, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir d'abord des accords, joués par exemple par un piano. Voilà des accords. Ce n'est pas une mélodie, c'est plusieurs notes en même temps, c'est juste un accompagnement, un accord. L'accompagnement, il peut aussi être joué par d'autres instruments, par exemple par la guitare. Voilà une série d'accords. On n'entend pas de mélodie, on entend juste un accompagnement, un accord. Et dans l'accompagnement, il y a un rôle qu'on oublie souvent, c'est la basse. La basse qui est jouée alors comme instrument justement par une basse ou par une contrebasse, c'est un accompagnement dans le grave des notes qui sont jouées sous le morceau. Voilà par exemple quelques notes de basse. Et dans l'accompagnement, il y a aussi enfin la rythmique. La rythmique, ce ne sont pas des notes, c'est un rythme qui est joué pour accompagner la mélodie, souvent joué d'ailleurs par la batterie. Allez, on récapitule les rôles qu'on peut entendre dans un morceau. D'abord, il y a la mélodie. C'est l'élément principal, celui qu'on entend en premier. La mélodie, c'est souvent le chant ou un instrument. Et puis derrière la mélodie, il y a l'accompagnement. L'accompagnement, ça peut être des accords, par le piano, par la guitare, ça peut être la basse, dans le grave, par la basse ou la contrebasse, et enfin la rythmique, par la batterie. Ces rôles-là, mélodie, accompagnement, basse, accord, rythmique, on les trouve dans tous les styles de musique, aussi bien dans des groupes de rock, de pop, que dans des orchestres. Les rôles seront les mêmes, mais ça sera juste joué par des instruments différents.